ces droits de l'enfant, grâce à Adèle, en fait, qui nous fait découvrir que finalement, c'est quoi le message, en fait? Qu'est-ce qu'il vient vous dire, là, quand il vient comme ça, là, finalement? Quelle leçon on a, Cléa, de ça? Qu'on a de la chance. De quoi? Lui, qu'on a de la chance d'aller à l'école. Premièrement. On a la chance d'apprendre. Et vous n'en aviez pas conscience de ça? Si, si, mais moins que quand il est venu et qu'il nous a expliqué son histoire. Mm-mm. Parce que en fait, lui, il a fui sur tout son pays parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait, il lui apprenait pas à faire, il lui apprenait à faire la guerre. Mm-hmm. Du coup, là, c'est pour ça. Et la chance d'être en famille. Ouais. Parce que lui, il a tout perdu là-bas. Il a perdu sa famille? Oui, en partant en Autriche d'Afghanistan, il a perdu sa famille. Alors donc l'école. L'école, en fait, ça fait prendre conscience de ça, l'importance de l'école. Parce qu'il a appris à tirer avec des armes à l'école. D'accord, donc c'est ce que tu disais, ils apprennent à faire la guerre. Oui. Mm-hmm. Donc en effet, il y a aussi ce travail autour de l'enfant, de ce que vous avez le droit. Finalement, de tous les droits qu'on a en France et la chance qu'on a. Dans les droits de l'enfant, effectivement, Adèle, il intervient sur, on va dire, deux actions très importantes, voire trois. Les droits de l'enfant, il a passé une semaine avec nous au collège, il a répondu à toutes les questions des élèves sur son parcours, sur un parcours quand même très difficile puisqu'il a travaillé. Il est réfugié, il a perdu sa famille, donc il a tout perdu. Ici, on a cours dans des préfabriqués qui ressemblent à des caravanes. En plus, mes anciens professeurs avaient un meilleur niveau. Dans le camp, les profs sont jeunes, n'ont aucune expérience et n'ont pas les bonnes méthodes pour enseigner. Laquelle des deux histoires vous a rappelé une histoire que vous avez entendue récemment? Adèle. Et Adèle, il a été séquestré, kidnappé puis séquestré et torturé pendant 2 mois avant que son papa ait récolté suffisamment d'argent, c'est-à-dire qu'il a vendu ses terres, il a vendu sa ferme, il a tout vendu pour pouvoir libérer son fils et puis avoir de l'argent de côté pour pouvoir s'enfuir. Oui, sa famille est allée avec lui à pied, ils ont traversé ensemble l'Afghanistan, ils ont traversé ensemble l'Iran, et c'est à la frontière entre l'Iran et la Turquie qu'ils se sont perdus. C'est en Turquie qu'on a perdu la trace de toute sa famille. Quand il est arrivé dans la fameuse île dont vous avez dû entendre parler, c'est l'île en Grèce, c'est là qu'il met la première fois le pied en Europe. Et c'est là qu'on identifie les réfugiés qui souhaitent demander le statut, l'asile en Europe. Et là, on est pris en charge par la Croix-Rouge, qui a un programme qui s'appelle Trace the Face, qui prend en photo tous les gens qui rentrent dans le territoire et qui ont perdu leur famille, de sorte à faire une banque de données de tous les gens qui ont transité avant d'être envoyés dans les différents pays. Et selon le nombre de places disponibles par rapport à des pays, on essaie de garder les familles quand elles sont encore ensemble et on les envoie dans tel et tel pays sans forcément qu'elles choisissent dans quel pays elles vont pouvoir demander l'asile. Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas les aider? Ah, ça c'est une super initiative, c'est une super idée. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas, nous, anticipé quand on a eu le projet l'année dernière avec Madame Balichard, Madame Deschamps, Madame Courriveau, Monsieur Hacher, Madame Netz. On s'est dit, on va faire ce projet et on va le centrer autour des enseignements qu'on maîtrise bien. Donc la musique, l'opéra, l'art plastique, les coulisses avec la techno. Et puis on vous voit, vous, à fond dans le projet, autant que nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas anticipé le fait qu'on pourrait aller les aider. Mais peut-être qu'on pourrait, pour l'année prochaine en cinquième, imaginer un partenariat, que ce soit une aide quelconque, que ce soit une relation par Skype, que ce soit une intervention, je ne sais pas. Et c'est peut-être à vous, après que nous on ait lancé ce projet, ce sera peut-être à vous de le prendre en main pour continuer cette relation. Parce que c'est vous qui allez après dans votre vie d'adulte, d'adolescent et d'adulte, rencontrer des réfugiés qui sont en France. Il y en a d'ailleurs dans notre classe. Hein. Et c'est bien ce regard que vous avez maintenant sur l'autre. On n'a pas les mêmes drapeaux, marqueurs, ni la même couleur de peau. On n'a pas les mêmes langages, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent.
et chacun de nous est vivant avec la même couleur de sang. On n'a pas les mêmes histoires, mais nous.